Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de sélectionner des crus, des vins typiques de notre magnifique vignoble du Beaujolais, sur les Gamay, sur les Chardonnay, pour les présenter aux sommeliers du monde et d'avoir la sélection la plus représentative et qualitative qui nous permet de montrer que ce vignoble est un grand vignoble. Quand on pense Beaujolais, on pense jeunesse, spontanéité, à fruiter, etc. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de vins sont d'abord élaborés spécifiquement pour la garde, peut-être avec une plus densité, un élevage un petit peu plus marqué, en allant d'ailleurs vers une dimension gastronomique plus affinée lorsqu'il prend un petit peu plus d'âge. En Beaujolais, on a la chance d'avoir des Beaujolais blancs. Ce cépage, le Chardonnay, il nous offre autre chose. Avec ses notes classiques de pommes vertes, ses notes un peu agrumes, ses notes d'aubépine, de fleurs blanches, on vient chercher ça en Beaujolais. Ce que j'aime dans le Beaujolais, c'est la diversité aujourd'hui. Que ce soit en termes de vinification, il y a des philosophies très différentes, mais aussi on a 10 crus, c'est 10 palettes de terroirs incroyables. Et au sein de ces crus, on a encore des lieux-dits. Donc oui, il y a une grosse diversité, c'est un éventail. Aujourd'hui, les 10 crus du Beaujolais, pour moi, c'est un minimum requis sur une carte des vins, et où qu'on soit dans le monde. Ce qui est passionnant avec les vins du Beaujolais, c'est qu'en restauration, ils peuvent s'adapter. Donc oui, ça va nous permettre à nous sommeliers de faire des accords mets et vins très pointus, des vins qui n'ont pas de lourdeur grâce à cette fraîcheur qu'offre le Gamay. Et c'est le rôle des sommeliers de les faire découvrir. Les sommeliers aiment les vins de vignerons. En Beaujolais, il y a beaucoup de vignerons, des identités différentes. Chaque sommelier va pouvoir aller les chercher et raconter des histoires en même temps. Donc oui, ce sont des vins de restauration, de gastronomie et des vins de sommeliers.